Eh bien, salut à tous, c'est Titou70 et aujourd'hui on se retrouve en train d'acheter des beignets. Donc plus sérieusement, on se retrouve devant la mission, enfin devant le triathlon. Donc nous sommes à l'épisode 9, il me semble. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. C'est parti pour le triathlon, on va s'inscrire. Il me semble que... Enfin, il me semble qu'il faut s'inscrire, je n'ai jamais fait, donc je ne sais pas. Hop, pour participer au triathlon, il faut appuyer sur droite. Donc c'est parti. Sur valeur de décharge, qu'est-ce qui pourrait se passer? Le triathlon, course multisport, sur course à pied, à vélo et à nage. Bien sûr, on a choisi le pire athlète. Alors, c'est parti. Plus vous forcerez, plus vite, plus vous... Qu'est-ce pas? Are you ready? C'est parti, la nage en premier. Je sais même pas par où faut aller. Regardez comment il nous défonce. C'est parti. On aurait dû prendre Franklin pour cette mission. Excusez-moi si j'appuie plein de fois sur la croix. Ça va peut-être vous casser les oreilles. En tout cas, on est premier. La vague qui va noyer, j'espère, tous les participants. Je ne pense pas, mais bon. Tant pis. On est premier. On est toujours au-dessus des 50% d'endurance. On va continuer. Alors, on va freiner un petit peu parce qu'apparemment on va trop vite. Mais si je freine, ils vont me battre. Bon, je m'en fous. Mon endurance. Je suis premier. Je sais même pas ce qu'on gagne. Donc on reprend notre endurance tout en accélérant et en tapant le joueur bleu. Je sais pas si on est éliminé. Il est passé devant, on est passé deuxième, troisième, on est repassé premier, on perd de l'endurance, on va repasser à terre. Oui, en même temps. Merde, j'ai freiné! Donc on est passé dernier, totalement. Non, on n'est pas passé dernier, mais on n'en est pas loin. Dans le lot de bonnet, donc. Faut monter sur le vélo. N'importe lequel, on s'en fout. Celui-là, parce qu'il a trop la classe. Donc le vélo qui est super pas notre truc vu qu'on conduit comme des brels. Alors le vélo, ça doit être pire. Et en plus l'endurance qui baisse, qui va me faire baisser aussi la vie. Et lui là, il va à quelle vitesse? C'est pas croyable. Il est trop rapide, notre endurance nous elle est à zéro, lui la sienne elle est... En même temps on n'a pas pris le bon personnage. On réessayera un jour avec Franklin, j'espère que ça ira mieux. Parce que lui, c'est une quiche. Lui fait du vélo en tant que mamie. Non, c'était à droite. Et j'appuie à vitesse maximum. À part si je tire sur les gars, je vois pas comment les défoncer. D'accord, je suis même pas sûr de pouvoir tirer sur eux. Non, non, bah, j'accélère à fond, je ne pourrai jamais les battre. Et c'est quoi la dernière course à pied? Ça va être pire. You got this. Voilà, j'ai perdu. Fallait descendre du vélo. Bon, on va quitter le triathlon. Donc c'est un magnifique fail, mais nous gardons ce magnifique vélo et nous nous sommes changés. Donc nous allons aller prendre Michael, non pas prendre Michael, prendre Franklin et on va recommencer la course. Regardez, il est caché. Ah, il est en voiture. Alors, en moto. Bon, la vol quoi. Direction le triathlon. Allez. On va voir à combien de mètres c'est. Et si c'est à plus de 2 km, je fais une ellipse. Et c'est à 4 km donc. Ellipse, on se rejoint devant le triathlon.
Et nous sommes arrivés au triathlon avec notre magnifique Lamborghini. Il me semble que c'est ce qui est marqué dans le truc, mais ça, enfin, je connais pas du tout les voitures, moi. Donc, on va recommencer la course, cette fois-ci avec Franklin. Donc, pendant cette ellipse, je suis mort. Je me suis coltiné deux flics, mais je suis arrivé. Et donc, je ne vois pas ce qui est marqué. Nous allons utiliser l'application de téléphone. Il me semble que j'avais vu Snapmatic. Non, c'est une Lampagatti. Une Lampagatti. Donc, cette fois-ci, la course de triathlon faite par Franklin. Donc, ça devrait être différent vu que je crois que c'est lui le sportif. Oh. Ah non, on aurait pu utiliser le chien, je crois qu'il est plus sportif que les trois. Enfin, je crois. Donc, je crois que c'est lui le plus sportif des trois avec les Trevor et tout. Donc, on n'a pas encore Trevor. Ah bah, il a pas l'air si sportif que ça. Hein. On est dernier. On est encore plus loin qu'avec Michael. On reprend la tête, nous sommes troisième, deuxième, premier. Non, il veut pas passer premier. Ah non, bah c'est pas lui le plus sportif, c'était Michael. Donc on va arrêter la course maintenant, vu que on sait que c'est pas du tout lui le plus sportif. Et je me suis arrêté en pleine mer. Donc encore une fois, ellipse. Eh bien, on se retrouve sur un toit et pas sur n'importe quel toit, sur le toit de notre maison. Oui, je suis monté sur le toit de notre maison pour voir ce qu'il y avait. Il n'y a absolument rien. Donc voilà, donc on va continuer avec un beau fail. On va continuer avec comment s'appelle-t-il déjà? Avec Franklin. Mais je sais pas pourquoi j'ai regardé cette marque. Avec Franklin, donc on regarde cette fille. Elle a un truc à nous proposer. Ouais, c'est les mêmes. C'est les deux gars qui font n'importe quoi. Pour elle, en tout cas. But where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Okay. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Donc on va devoir aller chercher la dépanneuse. Donc on prend la deuxième voiture. Donc j'ai gardé dans ce garage la Lamborghini. Allez viens, monte à l'arrière, bébé. Donc on va chercher la dépanneuse comme on a fait pour la première fois, c'était avec elle aussi. Pardon. Alors, hop, 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 hop. Ah bon, on est pas loin de la dépanneuse. La dépanneuse qui est là. On attend Anthony Alia. BG Commandant. Allez, monte. Kevin, est-ce que tu ne sais pas ouvrir un portail? Allez, où va-t-on? À 1 km 640. Et on y va. You know I don't copy, I'm an original. Yeah, we got you, JB still sick. Il faut que je fasse la mission avec le Zeppelin. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oulala, ça dira pas du tout. Des fameux. Plus que 900 mètres, 800 mètres. Et nous serons arrivés à la mission. Et on avance avec une dépanneuse.
Ça écrase. Tour d'émission annexe. Pour gagner un peu d'argent. J'aimerais bien customiser une autre voiture avec un peu plus de customisation que rien que de la couleur comme la dernière fois. Mettre un magnifique klaxon. Ouais, klaxon de clown ou un klaxon de camionneur. Ouais, donc, on doit reprendre cette magnifique voiture. Ou ça fait. Il faut la ramener. On est des serpents. Allez, bouge. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on doit ramener à chaque fois des voitures à la fourrière. Ce sont qui de faire chier les gens? Sûrement. I thought you'd been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer car. Et pendant ce temps-là, nous prenons une voiture. Nous sommes pas bientôt arrivés. Je ne peux pas faire de marche arrière, je ne peux pas faire de marche avant. Je suis totalement bloqué. J'en ai marre. Ah, j'ai une idée. Toi, viens là. Non. Non mais non. Donc les astuces de Titou pour faire n'importe quoi. Donc quand vous êtes bloqué par une voiture en diagonale et que c'est la vôtre en plus, rentrez dedans pour la bouger un petit peu. Et rentrez dans celle-là pour la dégager encore plus. N'oubliez pas d'exposer le poteau qui se trouve à gauche du véhicule pour faciliter le départ de cette dite voiture de merde. Voilà, il n'y a plus de poteau, plus personne pour faire chier. Sauter de la voiture en marche donne toujours un effet sympathique, se tordre le cou en même temps incite les jeunes à se tuer en route. Ceci était un message de la prévention sécurité routière pour les jeunes de moins de 18 ans. Maintenant, retournez dans le véhicule. Et faites une marche arrière si vous le pouvez. Là, si vous ne pouvez plus. Et voilà, nous avons réussi à sortir une voiture d'un endroit bloqué. Je vais remettre la voiture. Oui, bah, elle doit être déposée bientôt, c'est pas toi qui le conduis ce véhicule. Oh, tu vas te calmer, oui. C'est qui le patron? Bah, c'est pas toi. C'est pas moi non plus, d'accord, mais. C'est pas une raison. Et je parle à moi-même. Oui, je suis fou. Voilà. D'accord, ouverture de portail rapide. Déposons cette voiture sur cet emplacement. Et nous sommes encore bloqués. Et voilà, nous avons. C'était ma moto, ma magnifique moto. Nous avons réussi. Toujours le temps qui ne va pas. Ici est un train.
Hop. Donc, je vais me sauter sur le train en marche. Et c'est voilà. Donc, dans ce magnifique train, nous allons essayer de l'attraper en marche. Sans mourir. Oh oh, la tête qui passe. Oui, ça passe. Je sais pas du tout si on peut attraper le train. Nous sommes à la James Bond. Ouh, il s'est fait très mal. Non, il freine. Ah non, il freine pas du tout. Non, 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 non. Allez, transaction. On fait transfilis. Et voilà, reprise du train en marche. Comme un dingue. Ceci est impossible en réalité. Ceci est possible. Qu'avec Proclin. Enfin, pas de monter dans le train, de se gamer comme une grosse merde. Donc nous remontons avant l'arrivée du train en gare qui est actuellement pas bien dans longtemps. Je redisais, nous sommes. Putain, mais il arrête de gameler comme n'importe qui. Et après cette prise d'otage de train, je sais toujours pas si on peut le faire. Et voilà. Je me gamelle et il freine. Nous aurons jamais ce train. Nous sommes des passagers clandestins. Et voilà, encore une fois, il s'attrape la jambe dans ce morceau d'invisibilité. 2. Parce que jamais 405. Donc on va faire prudence, prudence. On va marcher quand on sera là-bas au bout. Donc cette fois-ci je m'approche à remonter. Et voilà, alors là nous sommes bientôt. Au revoir le train. À bientôt. Et la mort par train. Et on se quitte sur cette magnifique mort par train. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner si vous avez aimé. Et c'est les bébés. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine.